Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur la troisième partie de TIFF, puisqu'on m'a on me reproche à chaque fois parce que je prononce mal le titre du jeu. Donc là je suis dans le repère de Garrett. Donc en fait c'est un endroit où en fait on reviendra assez souvent entre les missions. On pourra voir où nos objets sont entredéposés. Et c'est à partir de là en fait qu'on aura de nouvelles missions. Jennifer? Il avait un œil chelou, je trouvais le père Garrett là. Alors, la cité Stone Market, bah oui, on va y aller. Hein. On va aller faire un petit tour là-bas. Bon, les temps de chargement, par contre, toujours aussi chiants. Donc ça, c'est pareil. Je vais voir si je vous les coupe après au montage ou pas. Si je vois que ça me fait trop chier le long du jeu, hein, je pense que je les couperai. Hein. Parce que c'est vrai que ça risque d'être un peu pénible. Surtout qu'il y a des temps de chargement assez souvent, d'après ce que j'ai vu. Eh bien putain. Je vais me faire à bouffer, je crois. Je reviens tout à l'heure. Oh, c'est juste un coup de fatigue, monsieur. Sûrement pas la grisaille. Dans 2 jours, envoyez des gars récupérer sa maison pour le blason. Il n'oublie pas la charrette. À vos ordres. Bon, alors du coup là, je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. Je vais rejoindre le point blanc. De toute façon, je peux pas faire autre chose. Alors c'est quoi ça? Il doit y avoir un garde ça, parce qu'il y a une espèce de point bleu. Quoique je sais même pas ce que c'est ça. Ouais, je sais pas ce que c'est. Alors on va éviter de se faire repérer direct. Donc je vais aller plutôt au point blanc. Ah mais non, le point bleu c'était peut-être un truc pour s'accrocher que je suis con. Hein. Putain, c'est pas vrai quoi, j'ai dit n'importe quoi moi. Eh ben, je vais faire une petite halte cambriolage peut-être. On va voir si on peut récupérer quelques trucs. Ou certaines. Des fois, certaines fenêtres comme ça peut servir de raccourci, quoi. Enfin, je dis bien des fois. Bureau du conseil de la vigile. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose là-dedans. Mais non, putain, je voulais pas faire ça. Bon. Je vais plutôt aller par là-bas. Je sais pas ce qu'il va y avoir à récupérer ici, mais bon.
C'est bien la peine que je fasse attention, en fait, il n'y a absolument personne. Je me fais chier à marcher tout doucement pour rien. Mais c'est pas grave, c'est de la filtration, il faut marcher doucement. C'est le but du jeu. Alors j'espère que cette fois-ci, s'il y a un coffre, je vais l'ouvrir, je vais pas faire le con. Bon, y a pas grand-chose là-dedans. C'est plutôt vide. Super, une bouteille d'encre. Super. Je suis ravi. Je suis content d'être venu ici. Ah bah y en a un coffre là. Sauf que celui-là ouais c'est... T'as 5 trucs ça va être... Ouais c'est beaucoup plus sensible hein, quand il y en a 5 hein. Mais bon ça va c'est faisable. Faut juste que je trouve le bon axe. De toute façon c'est toujours le même principe hein, que quand il y en a 3 ou quand c'est derrière un tableau là. Y a toujours ce système de vibration sur la gâchette. Et voilà. Voyons ce qu'il y a dedans. Là. Et ben, c'est bien ça. Alors par contre, comme vous l'avez constaté, hein, j'ai mis les sous-titres. Mais par contre, à mon avis, j'ai dû faire une connerie parce que je sais pas si vous avez vu en fait quand je m'approche des objets ou des trucs à ouvrir, en fait, j'ai le bouton qui n'apparaît plus sur l'écran. Donc à mon avis, sans faire exprès, j'ai dû enlever quelque chose. Donc ça, je vais essayer de voir si je peux jouer comme ça, si c'est pas trop gênant. Et si je vois que ça me gêne trop, ben je remettrai. Hein. Je le remettrai. Parce que ça fait bizarre de jouer là sans voir les indications. Bon après, bon, ce qui est, ça au moins c'est plutôt pas mal qu'on puisse paramétrer tout ça, quoi. Que ça soit la difficulté, qu'on puisse... qu'on puisse le modifier tout le HUD, machin, tout ça quoi. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc ceux qui veulent se foutre une grosse difficulté, je veux dire, ils peuvent se faire un truc pas mal quand même. Par contre, je comprends toujours pas pourquoi le fond sonore de la musique là est toujours aussi fort. Parce qu'en plus, je l'ai baissé et je crois que je vais carrément le virer parce que ça me fait super chier ce truc. Voilà, alors par contre, voilà. Je vais arriver sur une autre zone. Voilà, temps de chargement. Ça, franchement, c'est chiant. C'est super lourd. Hein. Même si certains temps de chargement sont plus rapides que d'autres. Mais quand même, là, ils auraient pu optimiser le truc quand même. Alors je sais pas si sur PC c'est pareil. Bon sur PS4 apparemment c'est visiblement la même chose, d'après ce que j'ai vu. Tu aurais pu prendre le bocal de cornichon, Basso, tu te laisses aller. Garrett. Merde. Tu sais toujours pas te servir d'une porte. Tu me rends pas visite, tu m'écris pas. Je croyais que toi et Erin étiez morts dans l'attaque du manoir. Mais t'étais passé où, bon sang ? J'en sais rien. T'en sais rien. C'est ça, oublie. J'ai autre chose à faire qu'à me fatiguer à te faire avouer ce que t'as fait pendant un an. J'ai pas de temps à perdre avec ça, moi. Surtout avec le baron qui fait une fixation sur l'opium depuis que la grisaille se répand, sans parler de la taxe noire, de la trappe voleur en chef qui y saigne les entrepreneurs comme moi. Si t'as du boulot pour moi, je t'écoute. T'es sûr d'être assez en forme? Bon, donc, voilà le plan. Je voudrais que t'ailles récupérer un anneau pour moi.
Tu veux te marier? Une fois mais pas deux. Ah, sale tête piaf! Je te promets qu'un jour je vais te transformer en chapeau! Et perdre le cerveau des opérations. Je vais finir par manquer de doigts. Le boulot, Basso. Ouais. Bon, il appartient à un certain Cornelius Graves. Tu sais, un de ces matuvus avec des bottes toutes propres. Ah! Ah! Et voilà. Où est le piège? Il est mort. Je suis un voleur, Basso, pas un pire de tout. Il vient juste de clamser. D'après mes sources, il a jamais retiré son anneau. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Ah, les problèmes. Il faut lui rendre visite avant que les charretiers l'embarquent. À en croire les rumeurs, ils emmènent les cadavres jusqu'à la vieille fonderie près de Cinderfall. Bizarrement, c'est rempli de gardes là-bas. Bon. Le meilleur accès, c'est par la vieille chapelle. Et t'as pas intérêt à rater. J'ai des dettes à payer, moi. Pour me taxer, il faudra d'abord me choper. Ouais. Allez, fiche le camp. Et passe par la porte. S'il te plaît. Au fait, je suis content de te voir. Alors, je sais pas si vous avez vu l'espèce de bug qu'il y a eu pendant les cinématiques, là, où en fait, on voit Garrett qui change de plan, qui est pas sur le bon plan, en fait, ce qui fait que ça donne une impression bizarre. Et en plus, il y a certaines... Quand il parle, bah, la voix de Garrett, en fait, baisse complètement, ce qui fait qu'on l'entend quasiment pas. Vraiment, c'est super saoulant, quoi. Le vieil Iron Boots veut nous enterrer. Mais les corbeaux ne sont pas dupes. Ils savent que la tempête approche. Et alors, on verra qui s'en sortira. North Crest nous demande d'être patients. Mais on a assez attendu. La cité est malade. Nous ne mourrons pas avec elle. Rassemblez-vous, mes amis. Rassemblez-vous. Le bouclage, la grisaille à perte de vue. On ne peut plus compter que sur nous-mêmes pour faire bouger les choses. Alors, rejoins la reine des mondiaux dans la vieille chapelle. Ok. J'ai regardé là pour les options là parce que c'est vrai que ça me gêne un peu là cette histoire de bouton là, ça me fait un petit peu chier hein. Donc je suis désolé de vous faire ça en cours. Mais là, ah ouais, bah voilà, indication, interaction, j'avais complètement oublié. Indication, navigation, tiens, je sais pas pourquoi c'est sur nom ça. Mais je sais même pas ce que c'est. Bon bah écoutez, on va laisser comme ça. Je peux satisfaire vos besoins les moins avouables. Ah ouais, okay, d'accord, c'est à lui qu'il faut que j'achète les trucs. Alors, clé anglaise, équilibre de l'arc, capacité. Car quoi, dégâts de la matraque, qualité du crochetage. Bah, je vais prendre la clé anglaise. Voilà, ça me fera peut-être quelque chose déjà en plus. Et puis, bah, je vais augmenter ça. Voilà. Putain, les autres trucs sont relativement chers. Je suis toujours ouvert. Ça fait mal. Tu vas adorer. Les cafards ont voulu expulser Mortimer. Ça, c'est vraiment un sale boulot. Bien sûr, il s'est pas laissé faire. Alors ils l'ont roué de coups. Fallait s'y attendre. Et puis ils l'ont balancé dans une charrette. Il était même pas mort. Alors là, le truc, c'est que on dirait qu'il y a deux gardes là-bas, donc je vais éviter d'aller devant, parce que je sais que devant certains mecs, on peut y aller sans problème, mais devant les gardes, ça craint un peu. Donc je vais peut-être éviter la baston dès le début, puisque... Bon, déjà, c'est clairement pas le but du jeu, et puis je risque de me prendre une super branlée, quoi, c'est surtout ça, quoi. En tout cas, j'espère que pour les bugs, ça va s'améliorer, parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu les boules, quand même, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est quand même super abusé, quoi. Après toutes ces années à t'intoxiquer à la fabrique, t'as plus rien à craindre. J'avais de sale tout grâce à l'école. Tu te souviens du vieux Tully et de sa collection? C'est pas tout à fait ça. Il y a un gars qui lui payait 2 pence le clavier. Pour des études, il disait. Si Tully mettait le paquet, il se faisait plus d'oseille qu'avec notre salaire normal. Mais bon.
Et puis les nôtres. C'est fini tout ça. Comme je vous l'ai dit, hein, dans certains quartiers, en fait, on va pouvoir avancer sans spécialement se faire emmerder par les passants. En fait, ils ont un peu rien à foutre de votre gueule, quoi. Faut vraiment juste vraiment se méfier des gardes. Et il y a certains passants des fois qui vous balancent en fait par rapport aux gardes. Donc, faut bien regarder en fait s'il n'y a pas une jauge qui monte ou une connerie, quoi. Il y en aura d'autres demain. Je commence à me dire qu'ils ont de la chance. De la chance. Il y a des grises mines qui se coupent la langue à force de la mordre, qui se défoncent les yeux ou les oreilles. La chance a abandonné cette ville. Par exemple, je sais pas trop si on peut passer à côté ou pas. J'ai bien envie de tenter l'affaire. Écoutez, on verra bien. Je sais pas, il ressemble à moitié des... On dirait des vigiles. Bon. Vu que je suis dans le quartier des mendiants, peut-être qu'ils en ont rien à foutre. Regardez quand même s'il n'y a pas 2-3 trucs de planqués ici. Enfin bon, vous me direz, en fait, vu qu'ils sont en subbrillance, en général, on les voit assez de loin, les objets. Allez, on va essayer de passer nonchalamment par le cimetière. La vieille chapelle de Morningside, c'est le repère de la reine des mendiants. Ils ont pas l'air bien, les mecs, là, quand même. Putain, encore un chargement. Je vous dis, c'est quand même un truc de malade, tous les temps de chargement qu'il y a, putain, si dans chaque zone où on va rentrer, il va y avoir un temps de chargement, quoi, putain, si à un moment vous êtes poursuivi sur tout le long, ça risque d'être un peu lourd. Une nuit solitaire. Les meilleurs. Oh, Garrett, tu arpentes un sentier peu enviable. C'est le seul que je connaisse. En effet. Tu sais ce qu'on raconte sur moi. Que vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans cette ville? Non, pas tout. Mais les choses importantes, oui. Qu'est-ce qui t'amène? Besoin d'un conseil? Il y a un an, au manoir de North Crest, ça a mal tourné. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et Irine? Il y a un an, des gens qui se croyaient supérieurs ont voulu dompter une énergie incontrôlable à des fins égoïstes. L'équilibre a basculé, c'est palpable. J'en saurai pas plus. Quand mes mendiants t'ont trouvé, après l'accident, ils t'ont cru mort. Mais tu ne l'étais pas. Alors nous t'avons soigné et ramené de la cité pour te protéger, en attendant. Mais ensuite, après l'arrivée de la grisaille, tu as commencé à te réveiller. Il était temps pour toi de rentrer. La cité tombe malade. Je te dirai tout en temps voulu, si tu tends l'oreille. Prudence, Garrett. Dans l'ombre, ce n'est pas toi le plus à craindre. Alors après cette cinématique là, je commence à me demander un truc, parce que en fait c'est peut-être pas un bug que j'avais dans la cinématique d'avant là, enfin pas celle-là avec la reine là, mais avec avec le mec là qui m'a donné la mission là d'aller chercher une espèce de bug sur un cadavre. En fait j'ai l'impression que les développeurs ont voulu faire une espèce de mise en scène en fait quand même, mais qui a complètement foiré quoi. C'est un truc de fou. Je trouve ça assez bizarre. Donc j'ai gagné un point de compétence. Donc apparemment il y a quand même pas mal de choses.
On va essayer de mettre comme ça. Bah, j'ai mis au pif hein, parce que je sais pas trop. Donc l'intuition, ça me servira peut-être pour repérer justement certains trucs sur les coffres, enfin sur les trucs à récupérer. Putain, mais il y a pas mal de trucs en fait, hein. J'avais pas été voir dans tout ça là. Donc je pense ouais, que cette espèce de bug là que j'ai eu là, enfin que je pensais que c'était un bug, c'est peut-être pas un bug justement, c'est peut-être les mecs ont voulu faire une mise en scène et je sais pas, ils se sont complètement foirés quoi. Bah oui, j'ai bien fait de prendre la clé anglaise parce que du coup je peux récupérer des trucs que je pouvais pas récupérer avant. Et ça peut être pratique. Allez, j'ai encore me taper un temps de chargement. Voilà. Putain, je vous jure. Ce n'est pas possible. Donc là, il faut que je rejoigne. Je sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs. Là, enfin, c'est une espèce de morgue, j'imagine. Alors c'est des petites, je connais, je me souviens de l'accident. Oui, bon, bah, c'est clair qu'il se souvient de rien. Alors cette espèce de pouvoir, c'est pareil, on sait pas ce que c'est, puisque c'est vrai qu'on a vu ça au début, mais je sais pas à quoi ça correspond. En fait, je sais pas grand-chose, en fait, quoi. Vu que lui se rappelle pas trop ce qui lui est arrivé. Messieurs, on traîne des cadavres depuis la tombée de la nuit. Je crois que c'est bon pour cette fois. Tu l'entends, cette sale chure de caniveau? Tu devrais être content de tirer la charrette au lieu d'être dedans. J'ai assez voyagé en charrette. Je trouverai un moyen d'entrer. Bon, apparemment, il y a du monde. Donc j'imagine il y a plusieurs solutions pour arriver à mon but, mais bon. Ah putain, j'en ai plein le cul de cette corde de merde là, putain. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à descendre normalement, quoi. Oui, il s'arrête là, mais c'est pas moi qui l'arrête en fait, hein. Je continue à appuyer vers le bas et je sais pas, il veut pas. Et là j'essaie de descendre, je n'y arrive pas. Et ça commence à me faire chier, quoi. Ah quand même. Alors, je vais essayer de pas faire de bruit. Alors là, j'ai une échelle pour monter. Là-bas, on aura dit qu'il y avait un petit renfoncement. Je vais aller voir là-bas, là. Oh putain, pour un mec qui doit pas être bruyant, quoi, ça craint. Alors qu'est-ce qu'on a là? Eh, il y a un petit passage là-haut. Quoique ça a l'air fermé. On va aller voir quand même. Alors, dévisser. Ah bah ok, d'accord, ouais. Bah toujours avec cette clé anglaise. Bah par exemple, j'aurais pas pris la clé anglaise, j'aurais pas pu rentrer ici. Donc c'est bien parce que ça me donne un chemin alternatif. C'est ça le boulot? T'empêches le chien d'aboyer et tu me réveilles à la fin de la ronde, ça marche? Comment tu peux pioncer dans un endroit comme ça? Puis il y a le général qui grince des dents. Et de la jambe aussi. Prends-en de la graine. Prends-en de la graine. Bon, déjà on sait qu'il y a un gars qui va pioncer, donc ça peut être utile. Mais apparemment il y a des chiens aussi. Donc il va falloir vraiment que je me la fasse discret. Ce qui est pas vraiment gagné. Il y a un truc là-bas, il y a un truc qui brille. Putain, le mec il est chaud quand même, hein. Le mec il a été planqué ça au fond des égouts. C'est quoi cette merde? Une seringue. C'était un toxico qui a dû venir ici là, pour être tranquille. Putain, la grille elle s'est refermée toute seule. Ah d'accord, en fait je suis pas. Ouais d'accord.
En fait, du coup, je suis repassé par derrière, en fait. Ce qui fait que j'ai pas eu besoin de passer sur la place. Donc ça veut dire que ouais, c'est ça en fait, quand on arrive dans les niveaux, faut bien inspecter en fait justement bien la carte en fait pour passer par les endroits les. Bah, on peut être sûr que sur la carte il y a toujours des endroits où on peut passer où ça doit être plus calme. Bon peut-être certaines cartes peut-être pas, je sais pas. Ça l'avenir nous le dira. Bon par contre les grandes places comme ça me plaît pas trop. Parce que le problème c'est que je vais être voyant. Je vais y aller, on verra bien. Garrett. Erin. C'est le mec qui se tape des flashbacks tout seul là, c'est quoi ce bordel? Ah bah je commence à mieux comprendre que le mec il a des alus de fou quoi. S'il bouffe du pavot, c'est une putain de drogue le pavot. Bon, c'est parti pour un petit peu d'escalade, hein. Vu que je sors de Tomb Raider, à mon avis, ça va pas me changer beaucoup. On va voir s'il vaut mieux un petit peu que Lara Croft. Alors. Ok. Non, 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 non! Oh putain. Ta discrétion. On est présent pour les caressages. Le général veut qu'on s'occupe d'eux avant la cloche de fin. Regarde-moi ça. Un bourgeois au milieu des clochards. Je me demande bien ce qu'il y a. Pas ici, tête de breu. On l'a transporté aussi doucement que possible. Vous les traitez avec respect, c'est bien sûr. Respect? Ouais. Garez la charrette là-dedans et retournez dans vos taudis. On s'occupe du reste. Bon. Il va vraiment pas falloir que je fasse de bruit. Oh putain. Je suis où là? C'est quoi ce bordel? Il y a toujours des trucs d'aération dans les jeux, hein. C'est un truc de malade. Qu'est-ce qui est arrivé au marchand? Je comprends pas pourquoi mon truc est en surbrillance là. En fait, ils me disent que je suis voyant, mais putain, je suis dans un putain de tuyau à la con où personne me voit. Donc je vois pas comment je peux être voyant, quoi. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Bordel de merde. Ils vont me faire galérer. Je vais jamais la retrouver dans cette bouillasse. Toi, tu vas prendre cher. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse là. Allez, ciao, ciao.